Donc toujours, hein. Déjà, Angelina, pourquoi avoir remixé l'album Poison en 1993, c'est la date exacte? Oui, en fait, c'était pas tout à fait de mon choix. C'est parce que j'avais fait une grande tournée en Côte d'Ivoire et ils demandaient quelques morceaux un petit peu plus modernes. Et j'ai voulu un petit peu amorcer ce que j'ai pu réaliser, pas sur le deuxième album Côté Cœur, oui, mais sur le troisième album Ébénite. Mm-hmm. Donc je me suis un petit peu essayée à l'afro-rap. D'accord. Voilà, et donc je l'ai fait sur l'album Poison parce que j'avais rien à perdre. Mm-hmm. et que je voulais terminer ma tournée de Côte d'Ivoire avec un son un petit peu différent. Mm-hmm. Mais bon, je m'étalerai pas tellement dessus parce que c'est pas un remix, c'est pas aussi réussi que ça parce que j'étais occupée à autre chose pendant que les musiciens travaillaient en studio. Ouais. Je ne me suis pas donnée à fond et donc c'était un entre deux en fait. D'accord. Alors l'album Poison a été autoproduit. Oui, vous-même. Oui. Est-ce à cette époque-là, est-ce parce qu'il n'y avait pas de producteur ou encore c'était un choix personnel? Non, bah écoutez, au début, j'ai cherché un producteur comme tout le monde. Oui. Et puis, j'ai été confrontée à deux problèmes. Mm-hmm. Le premier, c'est que, étant une femme, j'avais des propositions malhonnêtes. Mm-hmm. Voilà. Les producteurs de Paris, voilà, ils me regardaient un peu trop. Mm-hmm. Et puis moi, de toute façon, je les voyais pas très bien et ils m'intéressaient pas non plus. Ouais. Donc, comme j'avais une tête pleine, comme on dit, ouais, j'étais pas du tout intéressée par leurs propositions. Ouais. Et d'un autre côté, étant donné que j'étais malvoyante, y a des producteurs qui, jusqu'à maintenant, hein, sont assez réticents. Oui. En se disant, oui, mais comment elle est? Est-ce qu'elle a des yeux blancs qui tournent? Voilà, est-ce qu'elle n'a pas une jambe plus courte que l'autre? Est-ce qu'elle entend bien? Enfin, bref, les gens confondent un peu tous les handicaps. Hein. Oui. Et les producteurs, ça leur fait peur, donc ils préfèrent les filles bien portantes, qui bougent, qui se soucoupent bien le popotin et tout ça. Donc ils disent Angelina, elle est un peu trop statique, voilà. Quand j'ai constaté tout ça, que j'avais vraiment envie, parce que j'ai eu une première expérience avec un groupe qui s'appelle les Girls. Oui. On n'était que des filles, mais malheureusement, le manager, c'était un homme. Mm-hmm. Donc, quand on est parti aux Antilles, il a commencé à nous faire du chantage. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de me lancer en solo. Oui. Et grâce au pourboire que j'ai pu accumuler en faisant du cabaret, mm-hmm, et aussi grâce à la Providence, parce que j'ai trouvé sur mon compte... ma marraine, j'ai été baptisée en France, hein, puisque au Cameroun, le prêtre ne voulait pas parce que ma mère était une concubine. C'était la quatrième femme de mon père. Oui. Donc, elle était considérée comme concubine. Le prêtre français ne voulait pas nous baptiser. Donc, quand je suis arrivée en France, au bout d'un an, les religieuses m'ont trouvé une marraine qui s'est très, très bien occupée de moi. Et donc, il m'a ouvert un compte à l'âge de 13 ans. Mmh. Et sur ce compte, quelqu'un a mis de l'argent. Elle m'a toujours assuré que c'était pas elle. Mmh. Je ne sais pas qui. Mais le jour où j'ai demandé mon livret, c'était le jour où j'ai décidé de réaliser mon album. Oui. Et j'ai trouvé à l'époque 50 000 francs français dessus. Wow. Une somme assez considérable. Mmh. Plus les pourboires que j'avais gagnés. J'ai dit, allez, je le fais moi-même. Et j'ai pris goût, mmh, à l'autoproduction. Ça m'a permis de... chanter ce que je veux, de prendre les musiciens, les arrangeurs que je veux. Et c'est comme ça que j'ai démarré Angèle Musique, mon propre label. D'accord. Alors, on a Angèle Musique et on a Ceci. Ceci Mode. Ceci Mode. Voilà. Alors, Angèle Musique, en fait, c'est pour faire la promotion des artistes et de leur œuvre, oui, mais surtout des artistes en situation de handicap. Mmh. Il y a beaucoup d'artistes, bon, les non-voyants, c'est beaucoup de chanteurs, mais il y a aussi des sculpteurs, oui, il y a aussi des peintres en fauteuil roulant, il y a, voilà, donc il y a des comédiens. Donc on organise des événementiels, j'essaie de les placer, de me placer, de les placer aussi, mmh, sur des événementiels. Donc c'est l'aspect Angèle Musique. Et Ceci Mode, en fait, Ceci Mode comme femme non-voyante
à la page, oui, à la mode. Donc, en fait, c'est parti d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais ado et que je perdais la vue petit à petit. J'avais quand même envie de vivre ma vie de jeune fille, d'adolescente, et donc les premiers sous que j'ai gagnés, j'achetais du maquillage, je me maquillais et tout ça, du rouge à lèvres, du vernis à ongles et tout. Je me sentais vraiment comme une jeune fille normale. Mais sauf que quand on voit pas, on déborde un peu et tout. Et donc et puis pour s'habiller, c'est tout un problème parce que ce sont les adultes qui nous emmènent dans les magasins. Et ils n'achetaient pas pour moi exactement ce que je voulais porter. Donc là, j'ai créé cette association Ceci Mode qui propose du relooking pour les personnes handicapées, que ce soit handicap physique ou non-voyant. Et en fait, c'est une chaîne de bénévoles qui les emmène. Elles font, c'est pas une esthéticienne qui est à domicile, on les emmène si elles ont besoin d'un maquillage comme moi ce matin, on les emmène voir une esthéticienne, quand elles ont besoin d'une coupe, on les accompagne chez le coiffeur pour leur proposer des coupes qui vont leur plaire, quand il y a les soldes, on les emmène dans les magasins de leur choix, elles touchent, elles essayent, et puis elles choisissent, parce que nous on a le toucher, quand on nous décrit la couleur, j'ai une robe verte pailletée, donc je sais que ça va avec mon teint, donc il y en a qui ont vu, il y en a qui n'ont jamais vu, mais à qui on décrit. Et donc on est très regardé quand on est non-voyant, surtout là-bas en Europe on circule beaucoup seul avec la canne, puisque les trottoirs sont bien balisés, mais les gens s'arrêtent et nous regardent. Donc c'est très important d'être toujours bien soigné, bien habillé, parce que les gens, si on a une petite tache ou si on est mal coiffé, vont dire « Oh ben dis donc, la pauvre !» Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa coiffure, là vraiment, ses cheveux, ça part dans tous les sens. Et donc, l'image qu'on reflète, ça compte beaucoup aux yeux des gens, mais ça compte d'abord pour nous, pour se sentir bien. Oui. Voilà, si on veut avoir une vie sociale, si on veut avoir trouver du travail, si on veut avoir des amis, si on veut sortir, si on veut, eh bien, on a un corps. Et les gens pensent toujours que quand on a un handicap, on n'est pas un homme ou une femme à part entière. On est, voilà, c'est un accident de la nature. Voilà, justement, Angéline, ça faisait partie des stigmatisations. Déjà qu'il faut rappeler, est-ce que votre handicap au jour d'aujourd'hui vous a empêché parfois de faire des choses que vous aviez envie de faire réellement? Non. Pas du tout. Non. Et je dois vous dire qu'un aveugle, quand il est décidé à faire quelque chose, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Ouais. Il va trouver toutes les solutions possibles et imaginables. Mmh. Il n'y a qu'une seule chose que j'aurais aimé, c'est conduire une voiture. Mmh. C'est la seule chose voilà. que je ne peux pas faire et que j'aurais aimé. C'est voilà, j'aime beaucoup me déplacer et j'aurais aimé être au volant d'une superbe Audi, par exemple. Ah, j'aime beaucoup les Audi. Voilà, rouge. Mmh. Voilà, donc c'est juste mon petit regret. Mais à part ça, oui, je dois dire que je ne me refuse absolument rien. Mmh. Parlons de vos collaborations musicales. Et déjà, sur le plan international, les artistes qui ont le plus impacté dans votre carrière. Alors, moi, j'ai grandi dans le classique. Oui. Donc, j'écoute du classique tout le temps, tout le temps. Je dors avec du classique. Et c'est vrai que j'ai une base classique. Mmh. Voilà, donc c'est la musique que j'écoute le plus. Ensuite, à l'internat, on n'avait pas la télévision, donc on écoutait beaucoup la radio, surtout la variété française. Donc c'est pour ça que j'ai fait un album de reprises de chansons françaises sur le dernier Vue d'Afrique. D'ailleurs, c'est les 12 titres qui étaient les plus réclamés quand je faisais du cabaret. Donc j'ai un amour pour la chanson française en général, parce que ce sont des, il y a des très très belles mélodies, des beaux textes, des belles voix, des très belles voix. Et puis, quant à la musique internationale, c'est vrai, mais je zappe, j'écoute un peu de tout. Mais je vous avoue que côté musique, j'aime toutes les bonnes musiques. Quand c'est bien fait, j'apprécie. Oui. Et vos influences directes, les personnes, lorsque vous les écoutez, vous êtes accroché directement? Ah bah alors bon, je suis déjà fan de Véronique Sanson, ça c'est vraiment une de mes chanteuses françaises préférées. Et puis il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc j'aime tellement la musique que pour moi c'est difficile de faire un choix.
Même dans la musique africaine, il y a beaucoup de chanteurs, même des chanteurs que je ne connais pas, parce que je tourne toujours le bouton, et quand j'entends une mélodie qui me plaît, je m'arrête dessus. Effectivement, j'étais fan de Bébé Manga. Pour moi, c'était la plus grande voix africaine, une des plus belles voix. Et puis aujourd'hui, il y a les Charlotte Dipanda qui chantent très très bien. Et au Cameroun, j'ai trouvé que le niveau s'était nettement amélioré par rapport à il y a quelques années quand je suis venue. Je pense que les jeunes sont en train de travailler. Oui. Oui. Et ça, c'est encourageant. D'accord. Et parmi maintenant les artistes camerounais, est-ce qu'il y en a avec qui la collaboration vous tenterait? Oui, mais le problème, c'est que je ne suis pas très visible et que je ne les connais pas vraiment. Tellement j'ai une vie multiple. Oui. Je ne suis pas uniquement dans le milieu de la musique, ce qui fait que mes fréquentations quotidiennes vont très peu vers la musique. Je vais dans les cabarets et dans les soirées camerounaises quand je suis invitée. Donc sinon, je suis plutôt dans ma vie quotidienne, préoccupée par mon travail, hein, pour l'emploi, par mes activités associatives. Là, je prépare un grand colloque à la mairie de Montreuil le 19 novembre. Donc un colloque l'après-midi sur l'égalité des chances et un grand concert le soir. Donc j'organise mes événementiels, mais je connais quelques artistes camerounais comme Ben et Peter, les jumeaux, on s'appelle pratiquement tous les jours, mais je baigne pas vraiment dans le milieu 100% musical. Mais ça me plairait de collaborer avec des jeunes. J'ai entendu un featuring de Ben Deka avec une jeune. Je me suis dit tiens, c'est intéressant. Je vois aussi Talandré Marie qui est toujours très actif aussi. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, j'attends des propositions, en fait je suis ouverte. D'accord. Justement, c'est la raison de notre question, parce que vous avez fait une tournée vraiment internationale dans plusieurs pays, mais au Cameroun vous avez été moins présente. Oui, ben, mais vous savez, nul n'est prophète en son pays, hein, donc je me disais toujours le Cameroun, j'aurai le temps. C'est chez moi, donc bon, à force de me dire ça, effectivement, j'ai beaucoup plus tourné à l'étranger, parce que je me suis dit tôt ou tard, je vais rentrer au Cameroun, et je pense que ce moment est venu. D'accord. Et à force de tourner à l'étranger, il y a très peu dans le public qui se dirait en fait que vous êtes une artiste camerounaise. Beaucoup diront non, elle est une Antillaise, elle est de Guadeloupe, et pourtant Angelina Tezano est bel et bien camerounaise. Maintenant, parlons de votre quotidien, votre collaboration avec Johnny Tezano, puisqu'il faut rappeler c'est votre grand frère. Oui, on est de la même famille. Voilà. Toute la famille fait de la musique. Mm-hmm. C'est le papa de Titi Tezanou, voilà. Qui chante merveilleusement bien. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra faire quelque chose ensemble prochainement. Mm-hmm. Donc, c'est dans les tuyaux, en fait. Hein. Donc, je pense que ce serait un bon retour pour lui et pour moi. Et une belle expérience. Et nous, on l'attend aussi à Paris depuis plus de 20 ans. Donc, je pense que ça pourrait faire quelque chose de bien. Et puis, moi aussi, être aussi plus présente au niveau du Cameroun. Et pour cela, il n'y a pas que la musique, puisque je suis venue pour faire la promotion d'un nouveau jeu. Oui. Consacré, destiné aux non-voyants en priorité. Showdown. Le showdown. Oui. D'accord. Donc, je